il y a le mode d'attribution de la nationalité qui peut se faire en raison de la naissance sur le territoire togolais. Il y a le mode d'attribution de la nationalité par la voie de la filiation. Et aussi, un autre mode, le mode de naissance et de résidence. Au terme de l'article 1er du Code de la nationalité, un enfant né au Togo, d'un père et d'une mère, on n'a pas précisé, eux aussi nés au Togo, peut être considéré comme un Togolais lorsque cet enfant introduit une demande, mais après avoir possédé un document que nous appelons le jugement de possession d'état de Togolais. Ce qui suppose que la personne est assimilée à un Togolais et qu'elle peut au moins s'exprimer en langue vernaculaire. En raison de la naissance et de la résidence, donc un enfant qui est né au Togo d'un parent étranger peut, lorsqu'il a acquis l'âge de 16 ans, postuler à la nationalité togolaise par voie de déclaration. Si vous êtes togolais et que vous avez une femme qui est une étrangère, cette dernière peut acquérir la nationalité par voie d'alliance. Une autre option, le mode d'acquisition par voie de naturalisation. Vous êtes un étranger qui est naturalisé togolais. Donc l'enfant va se faire transmettre, même s'il est mineur, n'est-ce pas, la nationalité de son père, en produisant naturellement son acte de naissance plus le certificat de nationalité de son père qui a été établi sur la base donc du décret de naturalisation.